lelo ezali bona kotelema na bapropos ya ambassadeur rwandais monsieur Vincent Karega à l'égard à ma victime père à ma parent ma victime na kasika nonompi et aussi pour la collaboration de la décoratrice est solidarité na bicho na question ya est oui il y a un malade que la est va pas beaucoup famille colonioso par rebelle rwanda notamment vous allez financer par la Rwandais. Vous allez les mettre. Ils ont depuis rapport Congo Mapping et Dimor. Le rapport Rwanda va citer énormément la Rwandais. Vous allez nous soutenir directement ou indirectement par rebelle dans l'Est de Nabiso. Vous allez marcher pour la bonjour concerne à Mbouya Akende. Yami Balé, Kolaxa, soutien à Mission à Mandeko Est. Yami Sato, Kosenga, Kimia. Kimia est content à l'Est, Yamboka à Bisso. Solinir Souté, Batiba Kassa à l'Est. Kouébi Sabakambi Yamboka. Batia Kimia à l'Est, Yamboka à Bisso. Yangoana, marche à l'élo, Tokotambo, la Pona Maïro, Natangi. Nous sommes ici Congo. Nous sommes en rébellion. Vous voyez, dirigeant politique, pas s'assumer, qui met un compte partout. Quand on est à l'Est, qui met un compte à Kinshasa. Maintenant, on est à Kinshasa, il y a quoi enlever quand on est à la quête. La police, la foutre à la maman, on est à Bisso. On est à foutre à la maman, on est à la maman, on est à la salle. Bati à Kimia partout. Mais quand on est à Bisso au Congo, place une offre qui m'a zanté. Na Kinshasa, dans la Kuruna, dans la Toba, il va faire ma quête. Na pas comme moi, dans la coupère des routes. Na pas de nous corrobater. Na Katanga, Kuna, ma combat tribalisme. Comme Mana, na Est, na Rebelle, na Kassai, ce qui va comme moi, dans sa peau. Donc, on s'en a la bango. Kimia et Kote, au Katia Kona, Bisso, Ibella. Bon, 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 autre commune, et qui a aussi ma camboanate, Bissoba mouvement citoyen, posa en collaboration dans la police nationale. Rebisi Bango, itinéraire na Bisso et Zaboye, de Kozo Wileriti boulevard, soit au commune à boulevard, Tosi boulevard 24, de commune à 24, Tosi 24, tire à venir à Petit Collège Mamoto. Avenue Wana Tosiango dit le ministère des Affaires étrangères. Tokotanga Bemo, Liboso, ya ministère. Ce qui va boire Tokota, Tokotanga Bemo Wana, Libanda. Et puis Action Oye, Eze Ami Balé, Eze Asukate. Et puis Eze Asukate, ce qui carrega, Kéite, Tokozonga, Nisus, Tokoloba, Tokozonga. Tu peux si merci Mingi. La bande de Congolais, on va répondre présent. Dans l'appel, il y a un mouvement citoyen, il y a un Congolais pour soutenir la bande de Konabiso, il y a Est. Dans mon amouké, il y a un bande de Konabiso, il y a un bande de Konabiso, il y a un bande de Konabiso, il y a un respect à Mouninga, il y a un bande de Konabiso. Le mouvement citoyen qui organise l'activité d'aujourd'hui. Cette activité consiste à dénoncer les propos négationnistes et révisionnistes de l'ambassadeur Karega du Rwanda ici à Kinshasa. Vous savez, le Congo a connu une des pires crises humanitaires après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette crise, l'origine de cette crise, tout le monde le sait, provient des pays, surtout à l'est du pays, de nos pays voisins. Nous ne prenons pas la guerre. Certes, le Congo, le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda, nous sommes contraints à vivre les uns et les autres ici en paix. Mais la dignité du Congolais doit être au-dessus de tout. Monsieur l'ambassadeur rwandais Karega a déclaré tambour battant, il a nié le fait que les rapports
des Nations Unies, le rapport, le panel des experts des Nations Unies, il a nié qu'il n'y a pas eu massacre des populations civiles commises par l'armée rwandaise, commises par les rébellions soutenues par l'armée rwandaise. Voilà pourquoi cette génération de mouvements citoyens s'est réveillée, parce que l'État congolais, le chef de l'État congolais, celui qui a été nommé, Tshisekedi, il est allé d'abord, parmi ses premiers voyages, il est allé s'incliner devant le mémorial du génocide rwandais, ignorant que le Rwanda a été accusé par la Cour internationale de justice. Le Rwanda nie, Kagame nie, James Kabarebe nie, et son ambassadeur ici nie ses effets. Mais on ne peut pas se laisser faire. Donc aujourd'hui, il y a une marche de la place Willery au ministère des Affaires étrangères pour demander l'expulsion, la démission de M. l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, M. Karega. Donc on va aller aujourd'hui, même la police. Imaginez comment la police, l'autre fois la police a dispersé cette manifestation. Alors que cette manifestation devait être soutenue par l'État. Parce que ces jeunes ici se battent, ils risquent leur vie pour redorer l'image du Congolais, pour la dignité du Congolais. Donc on ne va pas se laisser faire, on demande carrément l'expulsion, la démission de M. Karega qui a tenu des propos révisionnistes, négationnistes. On va aller jusqu'au bout. Bonjour Oumas. Pouvez-vous nous dire c'est quoi la cause de votre rassemblement aujourd'hui? Le rassemblement consiste à ce que nous puissions chasser Karega. Ce deuxième rassemblement après celle des 4 des 9e mois. Aujourd'hui, le 23, nous nous sommes réunis, nous les mouvements citoyens, nous appelons tous les Congolais pour une marche de colère afin d'exiger au ministère des Affaires étrangères de faire quitter Karega dans notre pays. Nous voulons l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Karega qui a tenu les propos insultants, incitant la mémoire de nos Congolais, nos frères et sœurs qui ont été massacrés à l'Est. C'est comme ça que nous sommes là et c'est une suite et nous irons jusqu'au bout, jusqu'à ce que Karega quitte la terre congolaise. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous dire c'est quoi la cause de votre rassemblement aujourd'hui? Bon, j'ai suivi cet appel et je crois que tout Congolais est pris de bon sens, devrait soutenir ce mouvement. On ne peut pas salir la mémoire de millions de Congolais qui sont morts depuis une dizaine d'années. C'est des millions de Congolais qui sont partis comme ça et que quelqu'un se réveille le matin par ses fantasmes, qu'il fasse un tweet dénigrant et dégradant vis-à-vis de la mémoire de ces gens, c'est révoltant. Qui qu'il soit, ambassadeur du Rwanda soit-il, il faudrait qu'à un certain moment, on puisse avoir un sursaut patriotique pour dire non à un certain écart de langage. C'est une moquerie, c'est un mépris, c'est carrément une façon de cracher sur la mémoire du Congolais. Donc vous avez besoin que l'ambassadeur rwandais puisse quitter le pays? Je crois que c'est la moindre des choses, dans la mesure où il ne nous respecte pas. Merci. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Nous pouvons savoir c'est quoi la cause de votre rassemblement aujourd'hui? Ouais, nous sommes là aujourd'hui pour marcher. Aujourd'hui, c'est la marche, c'est pas le sitting. Aujourd'hui, c'est la marche jusqu'à au ministère des Affaires étrangères. Nous sommes là pour... Ça, c'est la riposte. Donc, nous sommes en train de riposter donc, contre un soi-disant un ambassadeur de notre pays, du Rwanda, de notre pays, qui... Un ambassadeur, son travail est là pour espionner notre gouvernement et de cracher sur nos morts. Donc, sur nos morts du côté l'Est du notre pays. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes là. C'est la deuxième phase. Ça, c'est la deuxième phase. La première phase, c'était les quatre du septième mois, c'était devant l'ambassade, c'était sitting devant l'ambassade du Rwanda. Et aujourd'hui, on va aller jusqu'au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et après là, il y aura une troisième phase et puis quatrième phase. Parce que dès qu'on va quitter ici, on va aller viser maintenant le OIA, jusqu'à d'où le type va quitter notre pays. Parce qu'on ne peut pas avoir un ambassadeur. Tu es ambassadeur de notre pays, en même temps de cracher sur les Congolais. Alors que toi, tu es là, les coopérations de votre pays, du Rwanda et du Congo RDC. Mais en même temps, tu es en train de cracher sur les morts que vous avez massacrés dans notre pays, dans notre sol.
Donc on ne peut jamais accepter. C'est pour cela, nous les jeunes conscients de plusieurs structures de mouvements citoyens et de ONG, nous sommes réunis aujourd'hui pour dire à messieurs, quoi, l'ambassadeur du Rwanda, il doit partir, il doit quitter notre territoire. Donc c'est pour cela aujourd'hui nous sommes là. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bonjour Ndeko. Bonjour. Tout le monde est bien bilingue, bosangani et belé, bozo c'est une réclamation que le Vincent Karega Ozali ambassadeur à Rwanda à Longwa to ebite cause des années. Le lot ezara ka suite ya activité na biso to lancé qui déjà pour na ko exiger expulsion ya ambassadeur ya Rwanda. Oui, le 4 septembre to zalaki pe sur le terrain to salaki sitin juste pour na ko réclamer départ nay. Tant to mona ke ite to lobaki to kotika te jusqu'à ce que akotika mabelé na biso. To za ko continuer, to za continuer ak ba action aussi to mona a ko zala expulser. Le lot to za ke déposer memo na biso na ministère des affaires étrangères pour ko yebisa bango to lingi lisusu to ana te biso ne peuple souverain. Boy, to moni ke azo ko manke respect na population la biso azali ko respecter biso te, voilà pourquoi to na posta akende to za na posta na elisus na mboka na biso te, voilà pourquoi to moni biso awa to zo kende ti ko déposer memo na biso la niveau ya ministère affaires étrangères. OK, merci. Bonjour maman. Bonjour. Comment est le lobby no ba peuple congolais to ba citoyen congolais bo telemi bino nyoso elongo bo bike l'ambassadeur ya Rwanda akene cause ezali. Maman, merci pour la parole au pesingai. To telemi po ambassadeur a fingi ba tuna biso bande ko na biso ba kufa andimi ke bande ko na biso ba kufa te. Alors lokolo bande ko na biso ba kufa te biso to yebi ke ba ba boma biso ebele yaran to lingi lokola azo nier makamunyo so wana to sengi na gouvernement na biso azongi seka na mboka na eza simple po muto azo mona biso azo humilier biso ti ko humilier ba mort na biso ko marcher sur nos morts malama zo na mboka na bango biso to tika la tranquille lingi ke RDC na Rwanda eza na ambassadeur te to boite et ko za na ambassadeur parce que ça ba pays frontalier to za ba ennemi te mais ye lokola fingi biso to lingi yake ne ba lukata mutu mususu. Merci. Voilà, merci. Bonjour Ndeko maman. Moni le lobino ba citoyen congolais bo telemi bobi ke ambassadeur ya Rwanda akene to ibite cause des années. Bon, to telemi pambate ambassadeur rwandais na kombo ya Vincent Karega, ambassadeur rwandais accrédité na Congo na biso awa, il a tenu des propos oyo et c'est pelisa ki bana mboka te. Ya ngwa moni bana mboka ba telemi. Comment expliquer ambassadeur rwandais en qualité de son pays oyo azo représenter na mboka na biso akende koloba ba massacre oyo esalamaka na est bango bazalaka pour rien aussi longtemps que opération mapping tebe banda kala bango nde ba empêchaka nyonso wana. Alors epesi bana Congo pasi totali soki tolandi diplomatie ya ba politiko bakokende nango malembe bako aboutir pe na solution ata moko te parce que tozomona depuis diplomatie ebandi solution ya malonga eza penza nanu te. Alors yango moni totelem tebete na ba voix nyonso tokosala par tous les moyens ndeko Karega azala expulsé na sol congolais. Okay, merci beaucoup. Merci Ndeko. Bonjour Ndeko journaliste. Nous, dans mouvement citoyen, nous avons été que l'ambassadeur a rendu la RDC fois longue à cause des années. Mon cause n'a pas été impressé parce que l'ambassade a été en train de se faire en Est, mais nous avons évolué. Nous avons été en train de faire l'ambassade et de permettre à nos mouvements citoyens de faire Merci beaucoup. Okay.